Bonjour, est-ce que vous êtes facile à vous laisser convaincre? Convaincre, ça sous-entend souvent se remettre en question et accepter d'écouter et puis de changer d'avis après. C'est pas si courant que ça. C'est pas tellement dans notre nature qui aime s'affirmer. C'est un mot très à la mode. J'ai souvent été intrigué par cette parole de Jésus qui dit, en parlant du Saint-Esprit, je vais vous envoyer le consolateur, le défenseur, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter ou les saisir maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, texte magnifique. Se laisser convaincre par le Saint-Esprit, en l'occurrence, le mot en grec veut dire beaucoup de choses. Il veut dire reprendre, se laisser éclairer, se laisser exposer les choses comme elles sont. Ça veut dire dévoiler la vérité de ce qui est dans le cœur de la personne. Même ça veut dire prouver, comme dit, je crois, la Bible Sommaire, prouvera, cet esprit apportera la preuve de ce qui est vraiment. Souvent, je pense que nous brûlons les étapes. Nous aimons parler et nous attacher à l'amour de Dieu, à sa grâce, à ses promesses. Mais à se remettre en question, se laisser labourer pour. Ben oui, mais il n'y a pas de semence, il n'y a pas de semaille et de moisson sans labour. Et labourer, ça peut faire mal, mais c'est nécessaire. Et je vous encourage à accepter d'être labouré par le Seigneur, de vous laisser convaincre des choses que il veut remettre en question. Ça, c'est lié à la repentance. Hein, un mot qu'on n'aime pas employer, mais c'est incontournable. Se remettre en question, faire demi-tour, se retourner, revenir en soi, un peu comme le fils prodigue d'ailleurs, hein, dans Luc 15, il est dit que quand il est revenu vers son père, après avoir dilapidé ses biens et tout ça, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est la repentance. Et Dieu merci, il est toujours prêt à entendre et à accueillir quelqu'un qui se repent. Et notre relation avec lui est alors rafraîchie, est alors renouvelée. Et ça, c'est merveilleux. Il y a une prière de David qui a dû se laisser convaincre. Il a eu du mal d'ailleurs, relisez l'histoire. Mais dans le psaume 51, il fait cette prière à Dieu pour dire Seigneur, je veux revenir sur de bonnes bases dans ma relation avec toi. Je veux te demander pardon. Je ne veux pas juste m'excuser. Lave-moi et purifie-moi. Et je serai blanc comme la neige. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Lave-moi, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Oui, lave-moi, Seigneur.
aussi souvent que nécessaire, pour que j'aie un cœur pur devant toi et devant les hommes. Amen.